Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Tu Bishvat, 15 Shvat, Rosh Hashanah Leilan, nouvel an des arbres. De l'arbre, si on veut être bien précis par rapport à ce qui est écrit, puisqu'il y a marqué Leilan, mais pas Leilanot. Oui, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué au pluriel, mais au singulier. J'aimerais vous partager avec vous un enseignement du Rav David Menaché, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui faisait un parallèle entre les fêtes de Tishri, et les fêtes qui s'échelonnent sur le printemps, le début sur l'approche, l'amorce du printemps. En effet, dans les fêtes de Tishri, on a le premier Tishri, Rosh Hashanah, le 10 Tishri, Kippour, et le 15 Tishri, la fête de Sukkot, qui dure 7 jours. Eh bien, on retrouve ce même principe étalé sur 3 mois à partir d'aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, nous sommes le 15 Shevat. Et c'est un Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Leilan, Rosh Hashanah pour le nouvel an des arbres, c'est Rosh Hashanah. Dans un mois, alors le 14 Adar dans les villes ouvertes et le 15 Adar dans les villes cernées par des murailles depuis l'époque de Josué comme Jérusalem, c'est le 15 Adar. 14 ou 15 Adar, c'est la fête de Pourim. Et la fête de Pourim est le parallèle de Yom Kippour. Kippourim. Le jour de Kippour est le jour qui est comparé à Pourim. Il y a un lien entre les deux, notamment avec le principe d'un tirage au sort. Un tirage au sort Pourim, sur la date que Haman va tirer au sort. C'est ça tout le Pourim, c'est les sorts chorales, que l'on retrouve aussi dans le culte de Kippour, à travers le tirage au sort entre le bouc émissaire et le bouc pour Dieu. Ça c'est le principe de Kippour, Kippourim, et encore de nombreux allers-retours entre les deux fêtes. Enfin, nous avons après la fête de Sukkot, qui dure 7 jours, et qui est le 15 du mois, comme la fête de Pessah, qui dure 7 jours, et qui commence le 15 du mois, et qui se trouve à un mois depuis Pourim. Ainsi, on a sur les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, eh bien, un étalage sur 3 mois, Tu Bishvat, un Rosh Hashanah, Kippour, Kippourim comme Kippour, et la fête de Pessah, parallèle avec la fête de Sukkot. Excellente journée et bonne fête de Tu Bishvat. Should not be in me.